c'est un moment important. D'abord parce que cette halle historique, c'est un vestige remarquable du passé industriel de Toulouse. Ici, il y avait une industrie d'armement. C'est une halle qui a été construite il y a plus d'un siècle. Et le fait de la révéler au public, le fait de l'ouvrir, le fait de la faire muter, à la fois ça la préserve, ça la restaure, et puis ça lui donne une nouvelle vie. Ici, il y a à la fois de la gastronomie, du sport, de la culture, du coworking. Il n'y a pas moins de 27 points gastronomiques avec des cuisines extrêmement différentes. Donc c'est un lieu véritablement unique à Toulouse. C'est un quartier qui a changé. Hein. Nous avons voulu le transformer, nous avons voulu créer un vrai quartier. Et depuis maintenant une vingtaine d'années, il y a le projet qui se déroule. Dans quelques années, ça sera terminé avec ici à la fois des logements et tout type de logements. Un pôle étudiant avec des écoles de santé. Il n'y a pas moins de 1500 étudiants ici. Et puis des emplois avec des entreprises, des bureaux, des services publics de proximité que nous avons développés. Écoles, crèches, d'autres que nous allons créer. Mairie de quartier, équipement de salles polyvalentes pour les quartiers. Et puis, on va créer un parc dans la dernière partie de ce projet de la cartoucherie, de manière à ce que, d'ici quelques années, nous ayons planté pas moins de 1500 arbres, là où, autrefois, il n'y avait pas de parc arboré accessible aux Toulousains.